les malades, c'est au docteur de les soigner. C'est pas une dérive qui est que de maintenant. Moi, j'étais en désaccord déjà à Chahenin pour dire que c'était, on allait vacciner les gens dans les stades. Je trouvais que c'est les médecins généralistes qui devaient le faire. On a mis des années avant de remonter sur la vaccination antigrippale à cause de ça. C'est-à-dire, on a dit aux médecins, c'est plus à vous à faire ça, vous savez pas faire, c'est nous qui allons faire la vaccination antigrippale. Donc l'idée que l'État se saisisse de tâches qui sont du soin usuel, si vous voulez, à la place des médecins, et leur interdise de faire un certain nombre de choses qui sont banales, je ne suis pas d'accord. Et pour le dire d'ailleurs tout à fait officiellement, je suis surpris que l'Ordre des médecins ait accepté une chose pareille. Moi, si j'avais été président de l'Ordre des médecins, ce qu'a dit Odegaard, j'aurais démissionné immédiatement. Parce que c'est la responsabilité des médecins de faire pour le mieux dans l'état de leur connaissance.